Eh bien bonjour à tous, c'est YoPlayStart, on se retrouve pour le quatrième chapitre, si ma mémoire est bonne, sur Crash Bandicoot. J'espère que vous allez bien, on a enfin passé le dernier niveau qu'on avait galéré, on a galéré d'ailleurs encore en live, mais moins que la dernière fois, on a galéré à passer cette étape, donc on est parti tout simplement pour la suite et la continuité de cette aventure absolument folle, où on passe quand même tous ensemble un bon moment. Je vous rappelle qu'on est toujours en live, il y a Maximus59 qui est présent, et aussi LVREG, peut-être que d'autres personnes pourront venir nous rejoindre un petit peu plus tard dans la soirée, et je vous propose, maintenant que vous avez vu le chat, comme il est beau, comme vous êtes beau les amis, qu'on passe tout simplement en plein pot, et tout se passe bien, machin, la caméra, elle est bonne, le micro, vous m'entendez, tout va bien, donc on passe en plein pot à nouveau pour se concentrer tout simplement sur le monde, et sur le monde, et de mon côté, je vais me remettre le chat, parce que du coup, je ne vous vois plus. Et on est parti. Allez, c'est parti. Alors j'espère que ça va être un petit peu plus fun quand même que le dernier monde, hein, parce que le dernier niveau il était affreux tout simplement. Ok, Bulbaga, et une vie, on commence déjà assez bien à la faire. Donc on a 10 vies. J'en ai pas gaspillé des tonnes et des tonnes du coup la dernière fois, donc c'est plutôt intéressant. Je sais pas si ces trucs là restent tout le temps sur pied. Mais on va essayer de pas trop y rester longtemps. Il y a des poissons chats, Allez, on monte sur la petite plante. Est-ce que vous passez un bon moment, les amis? Parce que c'est le principal. Oh, ça monte ici. Eh, c'est joli quand même comme petit endroit. Parce que c'est le principal finalement qu'on passe tous ensemble un bon moment finalement. Et qu'on discute et tout ça et tout ça, et le but voilà c'est de passer une bonne et agréable soirée. Je vous rappelle qu'il est possible, et même plus que sûr, que ça serait que ça serait l'un des derniers lives du mois de juillet. Ok, encore une vie, ça c'est plutôt cool. Allez, on prend notre temps, il faut pas jouer trop la précipitation, et j'ai appris que dans Crash il faut pas non plus trop réfléchir. Ah zut, j'arrive pas là. Faut que j'arrête de marcher tout simplement. Oui, petite soirée détente, merci. Ben non, c'est moi qui vous remercie de votre présence. Oh, le pauvre, le genre de niveau que j'aime pas trop, courage. Aïe! Oh non, on va passer tous nos niveaux, tous nos vies là-dedans, ça va être chiant. Oh. Ok. On est patient et là faut y aller, je pense. Il fallait pas y aller. Tant pis. Et l'autre qui rigole. Qui se fait. On n'a pas de C, on est obligé de tout recommencer. Bon bagarre! Ah mais non! Ça nous sert à rien des boules de gaz si on tombe dans l'eau en plus. Oh non! Oh non! Oh non! On va y passer nos vies. Ça marche. C'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Mais c'est con parce que on avait 10 vies. Et on en a plus que 3. Et ça c'est bien dommage. Comme ça c'est bien dommage. J'arrive pas. Prends ton temps, tu vas y arriver. Oui, j'ai aucun doute. Allez, une vie. On va y passer nos vies, je vous le dis. Centre. Assez? Ah, il met assez maintenant. Et ça, tu pouvais pas me le mettre un tout petit peu plus tôt. Alors, il s'adapte par. J'ai l'impression quand même, et ça c'est bien de prendre ça en compte, que par rapport à la difficulté, le truc s'adapte. On n'avait pas de C ici tout à l'heure. Donc là, il est en train de nous dire t'es nul. Et on va te donner une chance d'aller un petit peu plus loin dans le jeu. Et ça, c'est plutôt intéressant. Le truc s'adapte. C'est bien. Allez, on y va. Oh non! Mais non! Oh la vache! On va recommencer là, je pense, hein, comme c'est parti.
petite vie, ça pourrait être bien quand même. Ok, le C il est là. Il est là le C. Ils ont eu pitié, ils t'ont mis le C. Ouais. Ils ont eu des masses pitié. Une vie. Oh yeah. Yeah. Ce jeu me fait rire, mais un truc de malade. Ah non. Wow. Oh la vache, mais tout est prétexte à mourir là-dedans. Hein. Ok, faut aller tout droit. J'ai un doute, mais je vais pas le faire. Alors, autant des fois, on va galérer 10 minutes sur un truc, voire même une heure, autant d'autres fois, je vais passer tranquillement, sans problème. C'est vraiment bizarre. Kratos n'est pas là et mon message réabonné. Ah, tu t'es réabonné ? Mais je sais pas si ça marche pour ceux qui sont déjà abonnés, qui se désabonnent et qui se réabonnent. Je sais pas si ça fonctionne. J'ai testé tout à l'heure. Tiens, je vais regarder, mais j'ai testé tout à l'heure, ça ne fonctionnait pas. Donc peut-être que ce soir, ça fait la tête le truc. Hein. C'est possible. Non, ça n'a pas l'air de marcher ce soir. Je sais pas pourquoi. C'est Streamlabs qui doit déconner. Bizarre. C'est Streamlabs à mon avis qui déconne. Mais le truc est activé, hein, j'ai pas de problème, mais sauf que ça ne marche pas ce soir. Ça fait un peu comme ça veut quoi. Bon. C'est mieux, hein, j'aime bien moi voir les gens quand ils arrivent, quand ils s'abonnent et tout. Bonsoir Jérôme, monsieur Piscine, monsieur Lucky. Non, t'étais à Arc sur T, toi. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je vois que Uplay n'a pas trop avancé comme d'hab. Écoute, Jérôme, pour ne rien te cacher, pendant que tu étais en train de nager dans les eaux tumultueuses et tout ça, et quelque peu un petit peu troublé par les sablières à Arc, j'ai quand même passé et dépassé le niveau, mon cher Jérôme. Oui, parce que Jérôme est un abonné en or, tout simplement. Quand il ne peut pas être présent dès 21h, celui-ci m'appelle pour me dire « Hey, je ne serai pas là avant 22h ». Merci Jérôme. En tout cas, merci à toi pour ta présence. J'imagine que tu dois être bien rincé, bien chaud et complètement bien dans ton corps maintenant que tu t'es baigné et que tu as pu nager. Allez, on est reparti. Allez, on continue. Non, 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 non. Allez, c'est maintenant. Ah. Ok, on est bien Tintin. Bravo, Uplay. Merci, Jérôme. Alors, Jérôme, dans le chat, il y a Maximus 59 et... Elverec qui est présent. Alors je vous le dis, hein, Jérôme est toujours un grand plaisantin. Il fait des vannes, il fait des blagues, parfois un petit peu piquantes, mais c'est toujours dans le ton de l'humour, bien évidemment. Donc ne vous vexez pas, chers abonnés. Ah, qu'est-ce qu'il fallait pas faire là? J'ai l'impression que il fallait pas faire quelque chose. Ok. Magnifique. Ah, oh, non. Non.
Oh, le con. Le con. Le con, le con, le con. Mais dites donc. Ok, on avance encore un petit peu. Un petit chouïa. Ah, oh, mais c'est pas vrai, ça me pose problème ce truc. Quelle naze. Ouais, j'avoue, c'est naze. Quelle nazimut. Yoplay. Yoplay, c'est son nom. Mais c'est juste son prénom. Je crois qu'on arrête là. Hein, ça ira bien, on va arrêter là. On a gagné 2 vies, ça nous suffit, ça nous va bien, c'est parfait. On va continuer. On va continuer. Ouais. Allez, on continue. Et est-ce qu'on n'arriverait pas à la fin de ce monde, par hasard? Je dis ça, je dis rien, mais... Yes! Allez, encore un bouclé. Est-ce qu'on est bien, les amis? Est-ce qu'on est bien? Alors, j'avais pas vu. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je vois que Yoplay... Ah bah si, j'avais vu. Yoplay, je crois qu'il n'a toujours pas compris que j'ai dit... Réabandonné et non réabonné. Ok. De plus, il n'a pas vu que je lui ai proposé une vidéo abrégée sur LOL. LOL. Tu sais, j'ai quelqu'un que je connais, que je connaissais dans le temps, enfin que je connais toujours, qui me disait, tu sais, ils ont fait la suite du jeu de League of Legends. Tu sais ce que c'est? Alors, c'est une blague, bien évidemment, à la con. Hein. LOL. La suite, c'est MDR. Deux niveaux de fait, c'est la folie ce soir. LOL. Tu as juste raté 17 boîtes. C'est pas grave. On a passé le Mio. C'est déjà bien, non? Allez. On continue. Mais oui, Max. Oui. Faudra qu'on en reparle. Désolé, je me concentre sur le jeu. Je peux pas être en même temps à fond sur le chat et à fond sur toi. À fond sur le chat, parce que à fond sur toi. À fond sur le chat et à fond sur le jeu. Si on veut pas que je recommence 25 fois le même niveau, il faut un minimum de concentration. Et c'est pas évident. Et c'est pas facile. Mais je remarque qu'on a monté cette agréable petite fontaine au loin dans cette montagne. Et donc on va pouvoir continuer et j'imagine qu'on va être là-haut dans les pampas. Je vois ça, vaut mieux que tu réussisses le LVL. Le LVL? C'est quoi ça le LVL, Max? Max? C'est quoi le LVL? Le level? Pardon, c'était le level. Ça y est, je pète un plomb. C'était LVL, level. Oh, mais aurions-nous un boss, les amis? Ah, mais il saute partout, ce truc. Ça va être sympa, je le sens. Il a des TNT. Alors, comment on fait pour le... Ah oui, d'accord. Ah, ça va être bien. Ok, il faut pas faire ce que je viens de faire. Il me fait stresser, le truc. Mais zut. Flûte, mince. Foiré. Lapin sauteur, là. Bugs Bunny. On peut pas le toucher, d'accord. Je crois que j'ai... Mais non, il n'y a pas de... On meurt pas là-dedans, en fait. Enfin, on peut que recommencer. Alors, j'imagine que si je fais ça... Ah non. Oh, les gorgeurs. Bonsoir, Kratos. Mais Kratos est parmi nous? J'ai pas vu Kratos. Alors, attendez, je me concentre. On verra pour Kratos après. Kratos est parmi nous? Aurais-je loupé Kratos? J'ai pas vu Kratos. Tu dis des conneries, J'ai l'impression que tu dis des conneries, Jérôme. J'ai pas vu Kratos et j'ai pas vu Ninanin ce soir, pour le moment en tout cas. Oh là 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 là, mais c'est quoi ce bordel de dieu? Mais non, j'ai vu personne. Regarde, attends. On se calme. Menu. Regarde bien où il saute, il a un parcours prédéfini et après tu appuies sur la TNT.
Ouais, level, merci Max. Bonsoir Ninanine et bonsoir Kratos. Je crois que Ninanine était trop fatigué. Et Kratos, peut-être qu'il est en vacances et il devait s'occuper de ses filles. Il recevait ses filles, je crois. Donc peut-être qu'il n'est pas là à cause de ça. Peut-être, ou alors peut-être qu'il travaille, tout simplement. En tout cas, on leur fait une grosse bise à tous les deux, bien évidemment. Donc, Elvereg me dit quelque chose d'assez sympa. Regarde bien où il saute, il a un parcours prédéfini, et après tu appuies sur la TNT. Ok. Ça va pas être facile de voir son parcours, par contre. Ah. Fin de partie. Intéressant. Bon. Ah non! Oh la vache, fumier! Alors attends, il va là. Donc, en gros, là où je suis, il y passe pas pour le moment. Ou il y passe, mais il s'y arrête pas. Ok, je comprends. Mais c'est vachement bien ce que tu m'as dit. C'est plutôt intéressant ce que tu m'as dit, l'ami. Ah zut, je fais le con là. En fait, il faudrait que je me dirige au fond. Oh là là là. J'espère qu'il faut pas 36 fois lui mettre des caisses dans hein. Parce que ça va pas le faire, ça va pas le faire. Mon vélo. Et zut. Voilà. Ça y est, j'y arrive plus. Zut! Quand il fait son parcours, tu as quand même le temps d'aller déclencher. Ouais, les TNT, mais il faut que les TNT explosent pile au moment où le truc passe. Et ça, c'est la partie la moins évidente finalement. Parce que, ouais, on a le temps, on a vraiment le temps de déclencher les trucs. C'est juste que les trucs ne se déclenchent pas forcément au bon moment. Enfin, elles explosent pas tout le temps au bon moment, quoi. Par exemple, comme là. Tu vois? Ah là là. Yes, on en a eu un. Je vais rester là parce que là je crois que je suis quand même pas mal. Comment faire? Il y a quelques secondes là qui pourraient peut-être nous aider ici là. Yes. Alors, ensuite, il va où le bordel? Je reste là, on va voir. Ok, il fait tous les angles. Enfin, il fait un losange. Ça marche. Je vais me mettre plus par là. Ah zut! Dommage, raté. C'est moi qui vais me faire griller. Oui! Mais oui! Mais oui! Quand le retour! Oh yeah! Hop là! Est-ce qu'on est pas mal là? Il était pas évident ce boss, alors attends. On vous remet bien, Jérôme, tu n'avais pas eu l'occasion de voir ceci, parce que maintenant nous vous voyons, est-ce que vous êtes beau?
beaux. Mais oui, ils sont beaux. Quand ils font, sont pas quand même le temps d'aller déclencher le TNT. Je vais contacter pas que moi pour Dream, j'arrive. Mais fais mon cher ami, mais fais mon cher Max. Jérôme qui doit être soit à la douche ou en train déjà de dormir. Après, en vrai, le boss est pas dur. Faut juste trouver le bon moment. Tout est pour... Ouais, déclencher les TNT, c'est ça. On y est arrivé. Il fallait trouver le bon moment, un petit peu de chance, un petit peu de maîtrise. Il est pas si dur, mais il est chiant. J'avoue. Il est pas si dur, mais il est un petit peu casse-couille, le bordel. Allez, je propose qu'on continue. Et ça se trouve, dans cette rediffusion, dans cette VOD, nous aurons vu 3 chapitres. Et ça, c'est beau. Allez, je vous remets en plein pot. On est reparti pour la suite. Que va-t-il se passer dans ce niveau? Je vous le demande. Bulbaga! Oh, il va être bien celui-là, non? Alors attends, parce que là on peut aller où là? Là on peut aller là. Ah, d'accord. Bulbaga! J'ai l'impression que. Pourquoi on peut pas. C'est dommage ça. Pourquoi on peut pas. Et pourquoi on peut pas passer alors que je vois des trucs là très intéressants à aller chercher? Hein, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Peut-être que c'est pas par ici, que c'est encore un niveau tout en. Grimpette. Allez, on est parti! Ah ouais! Alors ça va être fun ça, je le sens. Ok. C'est tout en profondeur. Oh yeah, on gagne des vies! Mais c'est magnifique! Je rappelle de ce niveau et c'est la misère. En vrai, ce jeu est vraiment dur. Ça va être bien. Ça va être vraiment bien. On va voir. Peut-être que je vais m'en sortir assez vite. Peut-être pas. On verra. Alors pourquoi le truc bouge? Je ne sais pas. En tout cas, on va pas y rester très longtemps. Oh, ça c'est con ça. Ok. Bulbaga. Bon, sinon, les amis, à quoi vous jouez en ce moment, exactement? Ah zut, on a eu chaud. À quoi vous jouez sur vos consoles respectives ou sur PC? Mais à quoi vous jouez, les copains? Oh oh! Eh ouais, je vais pas me faire avoir deux fois. Oh, il y a un petit truc ici. Ah ouais, d'accord, c'est toutes les quelques secondes, en fait, que ça réapparaît, le bordel. Hop là. C'est magnifique, ça fait une ronde, en fait. Quel niveau spectaculaire, hein. On voit du pays en tout cas, c'est cool, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça bien. Allez, le C. C'est là qu'on rigole. C'est là qu'on se marre. Oh, Végétoxy, salut. Salut, you play. Végétoxy. J'ai remarqué un truc la dernière fois. En fait... tu avais un sacré retard, un sacré délai, et ça j'ai vu ça quand j'ai regardé ma rediff. Parce que en fait tu m'envoyais des phrases, que je voyais bien évidemment, mais genre 5 minutes après que... Et je lisais ton message bien après. Et du coup on avait un espèce de décalage, alors j'espère qu'aujourd'hui ça va mieux. Maintenant tu es bien évidemment toujours présent et je suis bien évidemment ravi de te voir parmi nous. C'est cool, merci Végétoxy de ta présence. Mais oui, j'ai remarqué que tu avais un délai assez, un peu plus important au niveau réponse et que ça arrive sur le chat. Pour ma part, je joue à Days Gone, il paraît qu'il est vachement bien, Days Gone LV. Je suis pas un gros gamer mais j'aime ce genre de jeu. Bah écoute, je l'ai pas fait sur la chaîne, j'ai hésité et finalement j'ai priorisé d'autres Let's Play, mais il n'est pas impossible que plus tard, dans un temps infini, enfin voilà, un autre temps, que je m'attaque à Days Gone un jour, parce que j'aimerais bien le faire, ce truc. Il a l'air vraiment pas mal, Days Gone. Il y a un truc ici, hop là. Et là, pourquoi on peut pas activer le... Ah non, oh, mais non. Pourquoi on peut pas activer le... C'est vrai. Moi, j'ai adoré. D'ailleurs, j'adore les productions. Clairement, j'adore les productions quantiques. Et je trouve ça tellement dommage que Sony a perdu. Ils étaient pas. C'était pas un studio, une exclusivité de PlayStation. Ils avaient comme un accord. Mais je trouve ça dommage. Maintenant, on espérera tout simplement que les prochains jeux qui sortent de Quantique, même s'ils sont sur toutes les plateformes, ils le soigneront autant. Ils soigneront leur prochaine production autant qu'ils pouvaient le faire déjà sur Sony. Et tant mieux après pour tout le monde.
Mais j'ai l'impression que... qu'ils avaient comme... chez PlayStation, ils ont une charte un petit peu, une charte visuelle, une charte, voilà, ça doit... Comme si... Comme c'est une exclusivité, il faut que ça soit un jeu qui sorte du lot. Et j'espère qu'ils vont pas s'enfermer dans les multi supports pour faire juste un truc voilà, qui soit pas terrible quoi. Il faut que ça envoie graphiquement comme ils l'ont fait jusqu'à présent et que l'histoire soit également très bonne. Après, je fais confiance à Quantic pour ça et j'espère qu'ils sauront nous régaler dans leurs futures productions qui sortiront probablement sur tous les supports. Je me mets là parce que la dernière fois ici on s'est fait avoir, n'est-ce pas? Ah zut. Hartung. Allez. On a eu de la chance. Et tant mieux tant mieux pour tout le monde. Tant mieux pour tout le monde que maintenant Quantic soit accessible. Tant mieux. Le C, les amis. Je sais pas si tu connais, mais il y a un jeu qui me tente, c'est The Dark Picture Anthology Man of Medan. Carrément. C'est un projet pour la rentrée, ça. C'est comme Until Dawn. D'ailleurs, Until Dawn, c'est un projet aussi pour la rentrée. Je vous donne toutes mes cartouches, là, en ce moment. J'avais prévu de vous faire, en fait, les deux. Parce que j'adore Until Dawn, j'adore ce studio. Et j'ai vu que sortait Man of Medan. En tout cas, c'est une espèce de trilogie... ils sortent comme une espèce de saga, j'ai l'impression. Donc il va y avoir un épisode centré là, ils nous ont sorti la bande annonce, mais il y aura aussi d'autres espèces d'épisodes de la même manière que Until Dawn, après peut-être à chaque fois différent. Et donc probablement qu'il y en aura un en live, je ne sais pas encore lequel, Until Dawn ou Man of Medan, et l'autre qui sera en let's play traditionnel. Mais quoi qu'il en soit, je compte bien en effet vous proposer les deux let's play. Intéressant. Ok. Enfin, les deux jeux, vous m'avez compris. Ça va être bien. Et j'ai hâte de m'y atteler. J'avais vraiment kiffé Until Dawn en plus. Qui a, pareil, un style de... Un style de fin assez différent... En fonction de ce que tu choisis. Pourquoi je ne fais pas plutôt comme ça et j'attends que ça se passe. Voilà. Hop. Bon, on s'en sort pas mal, j'ai l'impression, même si j'ai recommencé le niveau. Ya. Zut. Ya. Ok, on est bon. Une vie. Une vie, c'est cool. Ah là, il faut un sacré timing là. Oh la vache. Cool. J'ai hâte de le faire. Hatchtung of Passen. J'aime bien ce genre de jeu où tu dois faire des choix. Moi aussi, j'adore ça. J'adore ça également. Oh non, c'est moche d'en arriver là et te faire bouffer par un espèce de camélon lézard. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas des trucs ici qui sont un petit peu cachés? J'ai l'impression, hein. Mais c'est quoi ces caisses blanches qu'on pourrait activer là? J'ai pas compris encore. J'ai l'impression que le niveau a plusieurs rejouabilités comme si... Waouh. Mais c'est quoi ce... Ouf. On l'a passé. Alors le truc va me faire chier là. J'annonce. J'annonce que le truc va me faire chier. Voilà. Je m'en doutais. Ah, il y a encore plein de petites saloperies qui se trouvent ici. Ah la vache. Voilà, là. Genre, ils font ça, mais c'est quoi ce délire? Il y a une vie là. Ok. Wow!
pas bien de faire ça. Il faut activer le point d'exclamation quand tu vois pour avoir une caisse. Mais des fois c'est chaud. Car ils sont mal placés. Ah, j'ai pas vu ça. J'ai absolument pas vu. Mais merci de l'information élevée. Heureusement que t'es là en fait. Wow. En fait, quand je fais ça, quand je viens sur le bord, je pense à me baisser. Mais quand il se baisse, il va sur le bord. Et c'est comme ça qu'on a raté notre truc tout à l'heure. Enfin, que j'ai perdu. C'est le moment de récupérer des vies, les amis. Bonus. Oh là. Oh là là. Oh là 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 là. Ok. J'ai fait ce que j'ai pu. Ça n'a pas trop mal marché. 5 vies. Peut-être 6. Merci, merci. Ah, ce truc là, je l'avais pas trop aimé. J'avais pas kiffé tout à l'heure. Alors, faut sauter et faut bien rester au milieu. Oh la vache, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Oh merde. Zut, flûte, pardon. Est-ce qu'il faut... Je sais pas trop comment le passer là. Mais non. On se calme. Il faut que tu sautes sur le premier et après tu te mets au milieu et tu sautes sur le dernier. Ouais, je vais essayer de faire ça. Alors, ce niveau va être peut-être mon niveau cancérigène. Je comprends pourquoi ils nous ont donné plein de vie juste avant. J'ai peur. Je sais pas, tu vas comprendre car à l'écrit c'est dur. Ouais, je vais comprendre. Merci Elvé. En tout cas, merci pour ton soutien. Je crois qu'on a... Je crois que ça n'a pas marché. Fin de partie. J'avais... Le live en arrière-plan, t'inquiète pas Max, c'est pas de soucis. Alors, pas de soucis. Je propose qu'on revienne ici. Boum. Non, tu sautes sur le premier et après le milieu et le dernier en allant vers la caisse. Donc, le premier, milieu, dernier et la caisse. Enfin, c'est comme ça que je fais. Donc, milieu. Attends. Premier, milieu. Dernier, caisse. Ou milieu, premier, milieu, dernier, caisse. Quoi qu'il en soit, on va arrêter la rediffusion. On va arrêter la rediffusion parce que j'ai peur qu'elle soit beaucoup trop longue pour ce niveau. Ça me paraît un petit peu compromis tout ça. Achtung of Passen. Mais Jérôme, excuse-moi Jérôme. Achtung, Achtung. C'est ça que tu voulais dire, Achtung plutôt. Oui, c'est comme ça que ça s'écrit, mais moi, Achtung à l'écrit, je connais pas. Achtung of Passion. Pardon. Pour pas que moi, c'est ok, il fera demain et après, j'attaquerai tous les doublons XT. Ok, Max, on va arrêter la rediffusion. Encore un échec sur un échec, un échec qui m'embête un petit peu, mais un échec Végétoxy. Mais un échec qu'on pourra peut-être dépasser dans le prochain chapitre, mes petits amis. Donc on va s'arrêter là, n'hésitez pas avec le petit pouce bleu, le live, on reste bien évidemment ensemble, fais attention quoi, Achtung, on reste bien évidemment ensemble, le live, la rediff, on arrête la rediff, donc Végétoxy et Jérôme, pas de panique, nous restons ensemble, là, tout de suite, maintenant, j'arrête juste la rediff, et donc on se retrouve donc très vite pour de prochaines aventures sur la chaîne et sur Crash Bandicoot, bien évidemment, pour le prochain chapitre, d'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien, et à très vite, salut, bye les amis.
Fais attention, quoi. Mais oui, Jérôme, fais attention. Mince, alors, Hartung, en anglais, ça serait... Entschuldigung, en anglais, ça serait shit. Shit, tu n'as pas fini le niveau. Mais c'est l'heure de la pause, les copains, c'est l'heure de la pause. On va se faire une pause pipi, une pause boisson, une pause tout. On va se faire une petite pause que j'ai le temps de récupérer un petit peu le truc. Donc, faire attention, accent, Rallemande. Rallemande. J'ai le moyen de vous faire parler, les amis. J'ai le moyen de vous faire parler. Hartung.